Il y a une barricade plus loin. C'est quoi ces pierres brillantes? De la pierre de nuit. Un matériau rare dont la formation peut prendre un millénaire. N'est-ce pas? Oh, j'ignorais qu'elle pouvait faire ça. Ah d'accord, faut les aligner. Là, il y a un trou dans l'enceinte. Ok. Donc il faudrait que... Oh, très malin. Donc là. Si on a un bon ricochet, elle devient bleue, mais... Pas mon cas. Ça va exploser! Derrière toi, mon frère! Le frère de Freya, quelle est son histoire? Il y a longtemps, Frayeur des Vannes se rendit à Alfheim, où il découvrit une terre autrefois splendide dévastée par la guerre. Usant de ses pouvoirs divins, il entreprit d'instaurer une paix fragile entre les elfes. Derrière toi! Qu'est-il arrivé à Kvasir? Étripé par son public. Enfin, un membre de son public. Plus exactement, Thorin. C'est un artefact. Pas mal, hein. Donc un artefact et le coffre légendaire de la zone. On va remonter. As-tu mentionné que cette paix fut rompue dès qu'il fut parti? J'allais y arriver. Vous entendez? Oh non. Arrêtez! De grâce! Vous n'avez pas à faire ça! On ne vous veut aucun mal! Nous n'avons pas le choix! Pour libérer la lumière! Je vais entrer, mais c'est un elfe blanc. Pourquoi nous attaquez-vous? Nous vous avons aidé. Atreus, concentre-toi. Je hais Alfheim. C'est regrettable. C'est eux qui nous ont attaqués. D'autres suivront à l'intérieur. N'y a-t-il pas d'autres moyens? Ce n'est pas comme s'ils nous laissaient le choix. C'est ce qu'a dit ton père. Vous devez me trouver bien naïf. Non, seulement optimiste, mon vieil ami.
Une offrande à Freyr de la part des elfes. Il a dû la laisser là à son retour précipité à Vanaheim. Qu'est-ce que c'est? Un charme pour éloigner les cauchemars. Ceux de Freyr dans le cas présent. Le deuxième artefact.